Bonsoir. Je crois que le match, c'est à nous qu'on a perdu ce match. On a commis dans le début de sa fille deux erreurs qu'on n'est pas habitué à commettre. Mais bon, c'est le football. Si bien la première mi-temps, j'étais pas tellement satisfait parce qu'on a joué peut-être en conservation du ballon un petit peu derrière. On a pris des risques qu'on ne devait pas prendre, surtout avec le vent. Et le premier but de Safi, c'est à cause d'un mauvais ballon joué à gardien, un dégagement. Ce n'est pas une situation que Safi l'a créée, c'est une erreur de nous. Mais bon, en deuxième période, je crois qu'on a corrigé, on a dominé toute la deuxième période. On a créé des situations, on méritait égaliser. Et une fois qu'on a égalisé, on a cru qu'on pouvait gagner le match. On a continué à attaquer, on a raté en deux situations dans la surface que c'était clé. Et après, bon, en deuxième ballon, aussi Hassania aujourd'hui, on a commis beaucoup de fautes innécessaires en défense, qu'on savait que c'est le point fort de Safi, de travailler sur les balles arrêtées, d'attaquer, et à la fin, on a perdu pour un deuxième ballon, on a cassé leur jeu d'une façon un peu naïf, mais bon, c'est le football. Je salue la victoire de Safi. Nous, il faut qu'on continue à travailler. Si on parle de mérite, je pense qu'au moins on méritait partir avec un point, au moins. Mais quand tu commets des erreurs, tu payes cash. Il ne faut pas pleurer, il faut accepter et essayer d'améliorer cette question d'avoir commis des erreurs qui ne sont pas notre habitude.